Elle chauffe hein, la lumière quand même. Love and happiness. Monsieur Sbahir, président directeur général délégué, on s'était vu il y a quasiment un an. Qu'est-ce qui a changé du côté de futsal BXLNOH? Toujours la même tête. Hein, ouais. Pas vrai? Même à 50 ans, on ne va pas changer. On a beaucoup évolué au niveau de la formation des jeunes. Et l'équipe première, on s'est renforcé avec des bons éléments. Il y a du Jean-Mich, Jimmy Quinard, Mourad El Mokhli. Mais bon, ce sera sûrement en fin de saison qu'ils vont venir nous donner un petit coup de main. Le dernier petit mot sur l'entraîneur, un certain Abdelila. Mais le nom On voit ton implication dans le club. Il a un nom assez compliqué. Comment un président ne connaît pas le nom de sa famille, de son entraîneur? C'est fort. Il va venir, c'est le principal. Il va venir et il va vous le donner lui-même. Il fait partie des joueurs les plus élégants de la corporation. Il est tapis dans l'ombre. Je veux bien évidemment parler de Jean-Michel Eke Akanga Nkoy, alias Jean-Mich pour les intimes. Et il s'est fait tout joli. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Ils ont survolé la deuxième l'année passée déjà. C'est pas comme si ils avaient besoin de moi pour refaire un exploit. Je suis juste une pierre, on va dire, à l'édifice. Et apporter toutes tes qualités, ta technique, ton coup de rein. T'es deux ici. Hein. T'es deux, c'est vrai? T'es deux joueurs. Ah, tu encadres un petit peu les... T'as fondu, dis-moi. Il fallait. J'ai eu deux, trois coups de pression là du Morzite. Morzite, Zeker. Hein. Regardez aussi la même structure. Hein. C'est l'esprit d'équipe, la cohésion quoi. Si tu touches à ça, t'es mort. Tout les lunettes, c'est classe. Hein. Je t'enverrai l'adresse. Bonjour Capi. Franchement, on est là pour monter. On va pas se précipiter, la vérité. On a encore une toute jeune équipe. Mais ouais, on vise vraiment la montée. Vous avez lancé déjà un message d'entrée de jeu hein, à la concurrence. On ne veut pas faire les choses à moitié. En fait, on a le noyau pour, on a l'équipe pour, on a tout ce qu'il faut pour monter en fait. Ahmed, Bélil. À chaque fois que je prononce Bélil, j'ai l'impression d'être avec Laurent Voulzy. Bélil en mer, Marie Galante. T'as la référence ou pas? Non. C'est pas grave. Non, toujours pas. Tu verras dans le reportage. Pas de vacances? Aussi un petit peu quand même. Hein. Et toi? Non, j'en veux quoi. Plein de saisons comme ça? Pas ça? Pendant la saison quoi. Pendant la trêve. Allez, je te laisse le préparer parce que t'as pas la bourre. Hein. Ouais, vraiment. Si, merci à toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à endosser le rôle d'entraîneur de cette joyeuse bande de joyeux drill? Ils m'ont donné la chance de me lancer dans ça, alors j'ai dit pourquoi pas. Et tout de suite pris la perche en main, si j'ose dire. Et voilà. Voilà, exactement. J'ai pris la perche en main. J'ai une petite question, Delila. Ton président ne connaît pas ton nom. Ça, c'est un gros problème parce qu'on se connaît depuis quand même quelques années. C'est fou quand même. D'ailleurs, il s'appelle comment? Younes Sbahir. Ah, Younes Sbahir. Ben voilà. Tu continues et futsal et football prairie. C'est facile. Hein. Passionné de football. Voilà, non, mais en plus, si t'as les cannes, voilà. Hein. Les pièces du puzzle se mettent ensemble, ça risque de faire mal. Hein. On est là pour ça, espérons. On est déterminés, c'est vrai. On voit ça dans ton œil, là, ce regard qui brille, cette pupille qui en dit long. On est là pour gagner, quoi qu'il se passe. Love and happiness.